je tenais à être solidaire avec ceux qui sont là, ceux qui ont marché depuis, depuis l'Espagne, avec tous ceux qui sont opprimés partout. Il y a une petite proportion de gens qui se permettent de monopoliser toute la richesse et qui ne laissent rien aux autres, et je ne suis vraiment pas d'accord. Je veux participer à ce mouvement. Pourquoi je suis là? Il y a plusieurs raisons. Donc la première, c'est afin aussi de marquer à tout cet élan international qui fonctionne sous deux méthodes. Donc, enfin, la méthode des assemblées populaires, démocratie directe et du consensus. Mais il y a deux messages importants qui est on refuse l'austérité et il ne nous représente plus. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour dire non à l'austérité, non à la démocratie représentative qui a échoué, et pour marquer mon soutien à tout cet élan international. Voilà. Pourquoi je suis là? Parce qu'il est temps d'être là, je crois, surtout pour dire justement qu'on est là. Je ne crois pas trop au pouvoir politique et au changement par le politique, mais voilà, je crois que c'est l'occasion de montrer au monde qu'on existe, simplement. Voilà. Mais je suis d'abord là parce que c'est mon turban, ceci, l'envoyé spécial de Ciné Mensuel dans la manif, en fait, le magazine satirique. Et je suis émerveillé par cette flambée de belles colères lyriques populaires, par cette spontanéité en éruption. Là, il se passe quelque chose. Et puis, de 10 000 manifestants guillerets, c'est extraordinaire. Et au sens surtout que ça pourrait déboucher sur une insurrection ludique allant très, très, très loin. C'est comme nous vivons là un climat pré-révolutionnaire. On ne peut plus, en portant. Vive la flibuste, vive la révolution! Je suis là parce que, comme on voit ici, il faut se responsabiliser. Et je pense que les pouvoirs publics, l'économie, on est en train de vraiment nous donner un sentiment d'impuissance. Et donc, il faut montrer qu'on est capable de se réunir, qu'on est capable de construire ensemble, qu'on est capable de manifester pacifiquement et de dire aux gens « réveillez-vous », en fait, c'est ça. On est là pour réveiller les gens. Bon, là, je suis avec au moins 10 000 personnes dans la rue. Je crois avec un mot d'ordre assez général, c'est de reprendre le pouvoir, parce que ça fait au moins 20 ans qu'on n'y croit plus, un système capitaliste qui a cru s'imposer après la chute du communisme en URSS. Et ça fait 20 ans qu'on crache sur le système économique, et je crois que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une prise de conscience de pas mal de citoyens, qu'il y a une véritable crise au niveau politique aussi, et que ça sert à rien de demander aux politiciens de gérer les impasses du système économique, parce que finalement, c'est la sphère économique qui dirige le monde aujourd'hui. Même dans la presse mainstream, on entend parler de dictature des marchés. On voit les politiciens qui s'injurent un petit peu contre le pouvoir des agences de notation, contre celui des banques, qui se rendent compte qu'ils sont un peu les dindons de la farce. Mais en même temps, ils ont rien à faire, ils n'ont plus de pouvoir, ils en sont eux-mêmes victimes et ils s'en rendent compte, quoi. Mais bon, il ne faut plus rien attendre d'eux, il faut qu'on prenne les choses en main par nous-mêmes. Et ici, ce mouvement des indignés, c'est ça qu'ils proposent, c'est prenons notre destin en main. Et ils proposent une méthodologie qui est très simple, c'est les assemblées populaires. C'est ce qu'on a fait pendant une semaine au niveau européen, vu qu'il y a plein de nationalités qui sont prévues. Moi, je suis là pour lancer un mouvement politique citoyen d'assemblée populaire en Belgique. J'espère qu'après cette journée de manifestation, on va continuer à prendre des places partout en Belgique pour réfléchir à la gestion de la cité, réfléchir à l'économie, à l'énergie, à la mobilité, à la cohésion sociale, et prendre les décisions par nous-mêmes et poser les actes qu'il faut prendre pour gérer la cité par nous-mêmes, et puis rien attendre des politiciens qui n'ont aucun pouvoir. Non, en fait. Pourquoi on est là? Parce que
on pense que il est super important de réintroduire une réelle démocratie en Europe. Hein. Et donc, pour réintroduire une réelle démocratie en Europe, on doit se débarrasser du pouvoir des banquiers et du pouvoir des policiers. Voilà pourquoi je suis là. Et donc, nous sommes les 99% qui représentent la population contre les 1% qui ne sont que des bandits et des voleurs. Je suis là parce que je suis contre la dictature des marchés. J'ai envie d'une démocratie réelle et qu'une démocratie réelle, ça veut dire qu'on doit avoir notre mot à dire sur l'économie et avoir une société où les moyens de production, c'est la population qui les a, c'est la population qui décide de leur utilité et de comment ils fonctionnent et pas des actionnaires ou des spéculateurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui ne fonctionnent pas bien. Nous devons faire que l'économie c'est une herramienta du système, pas une chose qui doit marquer notre vie. C'est tout. Pourquoi je suis avec tous ces gens qui gueulent devant un truc qui s'appelle Dexia? C'est quoi Dexia encore? Ah, c'est le machin qui nous coûte si cher. Non, mais je suis là parce que pour voir combien d'indignés passent au stade révoltés. Principalement. Je suis là pour protester contre les mesures d'austérité qui touchent toute l'Europe. Et si bien le sud que le nord bientôt, ils vont aussi toucher très gravement aussi le nord de l'Europe. Alors je suis content qu'on mobilise, qu'on commence à mobiliser partout. Je suis révoltée depuis plus de 30 ans et que la manière dont on vit, la manière dont on fonctionne est tout à fait insoutenable et que la crise, pour le moment c'est les Grecs et les Espagnols, mais ça va venir chez nous, et que les États renflouent les banques, mais que in fine c'est nous qui allons payer les dettes des banques, voilà, nous les travailleurs, et que c'est pas possible de continuer comme ça. Voilà, ben je suis là pour défendre une plus juste redistribution des richesses, ce qui implique une modification radicale de notre système économique et financier, parce que le système d'aujourd'hui a des conséquences désastreuses sur le bien-être et la vie sociale des populations, la raison pour laquelle elles manifestent dans le monde partout aujourd'hui. Voilà, c'est difficile de résumer parce qu'il y a tellement d'enjeux en cause et tout est enchevêtré. Mais je crois que si on commençait par remettre en question le système financier et le système économique, je crois que, et qu'on essayait d'améliorer pour améliorer la redistribution des richesses, je crois qu'on avancerait beaucoup. Ouais, voilà, je suis là parce que je trouve que c'est un mouvement qui a une belle énergie et j'avais envie d'y participer face à ce qui se passe avec Dexia, ArcelorMittal. C'est le moment de dire qu'on en a ras-le-bol et que ce système ne fonctionne pas et qu'il faut trouver des solutions. On est tous là pour dire qu'il faut faire autre chose. Et voilà, c'était simplement sentir l'énergie, sentir cette belle énergie qui a encore maintenant un peu de révolution. Ça fait du bien, quoi.